toute vie ou li pa pral rete comme ça li va pral tolérer comme ça le Seigneur gen doit supporter ou leur fait joindre ni li gen miséricorde pour jusqu'à ce que ou tant d'enseignement ou changer mais faut changer et si ou pas changer ou continuer dans le royaume de Dieu le Seigneur gain pouvoir pour le juger l'esprit ou, et la vie ou en danger le ça. Maintenant deuxième côté le pas bon pour ou, le condition ça a demeuré c'est le Seigneur pas protéger ou le livrer ou, et puis l'ennemi en rencontre avant ou n'y a sans protection et ça a arrivé que le Seigneur pas ou bien beaucoup de tout le monde dans le jugement. Mais l'on marche sans protection, bon Dieu, il n'est pas responsable. Et dernièrement, nous avons enseigné comme ça. Protection, bon Dieu, dans la vie, c'est justice. Li. On parle de curage justice, on parle de bouclier de la foi. Et bon côté, il parlait de la justice comme et protection dans Psaume 91. Donc l'on bien aimé marcher sans justice, sans puissance ou marcher sans qui t'écoute. Au marché sans? Non, il n'y a pas ça. Sans auto. Non, on dit ça déjà. Donc, l'on marche sans autorité, bon Dieu, dans la vie. Et puis, l'autre force des ténèbres vini à tester. Et puis, ou vide ou sans puissance. C'est normal pour victime. Donc, conseille-nous à vous-même pas faire ça. Faut la vie ou juste. Ensuite, faut remplir avec puissance. Maintenant, appel n'a fait, hein? Si vous attendez ça. Vous avez un petit temps pour lancer quelque chose là. N'a appel n'a fait, hein? On appelle m'a fait là. Non seulement, n'a demandé pour pas quitter trace. Espace pour aucune perversion. Parce que bibliquement, le Seigneur va traiter selon perversité cœur. Aucune iniquité, transgression, corruption. N'amando pas quitter place pour yo. Mais il faut remplir avec Dieu lui-même. Parole et puissance lui. C'est pas une plaisanterie n'a cité là, c'est son guerre liée, si vous avez bien voulu reler. Son guerre. N'a vivre dans un monde qui est infernal, le nous dit ça. Un monde qui pas comprendre ou bien pas bal l'importance, mais le monde pas joué. Pas gain personne qui a joué sur planète là. Tout monde a défendre intérêt yo. C'est nous qui l'église qui modéré qui n'ont pas le miséricorde à amour, mais le monde pas joué. Qui ça me dit là? Le monde pas joué. Yo cruel. M'a dit mon méchant, non, m'dit cruel. C'est jalousie qui dirigeait monde ça. Et la jalousie est cruelle, plus que la mort. Donc, les hommes n'en défendent intérêt, yo pas joué. Pas jouer. Et si vous arrivez dans une zone côté que vraiment gagne intérêt qu'à défendre, ou après goût même gagne. Depuis gagne intérêt, gagne lutte.
Dans un montant de ça, depuis qu'il y a intérêt, il y a une lutte. Donc, monde là, ça a intérêt, il marche. Donc, toute motion, monde là, c'est intérêt. Qui intérêt? Intérêt charnel, intérêt naturel, intérêt de ce monde. Avec lui, il fonctionne. Donc, soit on va l'entrer dans la lutte, ça, sans pas gagner justice avec puissance, il y a broyé. Amin, il y a mangé avec dedans. On regrette ça en pile. C'est ça que fait Jodia. Jodia. M'a demandé tout le monde pour mettre en position de force. Position de force, où c'est justice avec puissance. Qui est la position de force? Où? Amen. Gen bagay, il faut éliminer une envie parce qu'on n'a pas besoin. Si c'est pas ça, on va toujours marcher faible. Et c'est raison ça qui fait nous gagner temps ça yo, et pas garder une vienne garder une l'autre, c'est travail nous vienne travail. C'est pas plaisanter une vienne plaisanter là. Nous vienne prier. Nous vienne chercher bon Dieu, mais étant donné que nous voulons chercher bon Dieu avec compréhension, nous voulons chercher le Seigneur de manière folle. Nous voulons chercher le Seigneur avec compréhension, nous enseigner la parole. Si ça nous connaît, on partage la parole. Si nous pas qu'on en pile, mais si ça nous connaît, nous dit où. En façon ou même sous point conscience, sous servir avec lui. Et ou à délivrer. Il y a la parole certaine, la parole juste, la parole véritable de Dieu. Et il y a son d'appli en verset, il y a la vraie parole. Et la parole sans levain, il va délivrer, évidemment. La parole a une puissance. Et, mais maintenant, même problème, même problème dans Chita. Ce n'est pas la parole qui n'a pas gagné, ce n'est pas la puissance qui n'a pas gagné dans bon Dieu, ce n'est pas miracle mon Dieu n'a pas fait. C'est négligent ou négligent. Mais problème, non. Nous avons approché de Dieu, mais nous approchons avec un pile légèreté. C'est ça que fait nous pour qu'on joigne à sa bon Dieu gain pour nous. Nous pas payer prix, nous tellement remet tête nous. Nous pas qu'à payer prix que la parole de Dieu mandé pour nous payer. Nous pas qu'à souffrir pour nous juste. En d'autres termes, nous tellement paix tête nous. Ça c'est un terme ni, ou tellement remet tête ou vine pelle. Vous rentrez dans un caille, on m'a tellement remet mon petit lit, petit là. Et vous rentrez dans un caille, on madame tellement remet mon mari, le père Maria. On mari tellement remet mon madame Nipel. Il pressé fait tout ça, l'autre l'a mandé. Qu'on a gardé sottise ça, on sottise lui. On ti monde pour qu'on gagne connaissant tout ça le mandé on parent. Il pressé vite. Tant qu'on esclave courir à le faire. On a mon comme ça, oui. Quelquefois nous remet tête nous comme ça. Et assez souvent tête nous sont Dieu lié pour nous, cou tête nous met dans bagarre nous courir à le faire. Et mais tête au cap la gonne dans ça. Quelques versets bibliques dans mais lit pour la parole de Dieu est cachée. Donc l'on pas jouer le au besoin succès dans mon Dieu. Ou gen bagay, il faut sérieux là-dedans. Ou pas qu'à jouer avec les choses sérieuses comme ça. Et, qu'il y a une dernière chose là avant de fermer les zones ça. La vie est importante. Autant que le gen bon Dieu là-dedans. Et là, vous sérieux. Là, vous très sérieux. Ou beaucoup prend la vie au sérieux tant que beaucoup bon douleur, beaucoup malade, beaucoup non gros problème, beaucoup non situation difficile. C'est ça que fait bien quelquefois ça avec bagaille ça yo que le Seigneur réveille nous. Ou pas besoin de nous arriver jusque là. C'est ça que fait le Seigneur bon intelligence. Vous êtes nous prendre un piège. Et il y a un verset dans mes liens avant.
et matin un verset qui pas très facile pour moun comprendre. Et la Bible dit c'est toujours talon nous mène nous dans piège nous. Talon dans la Bible son gros terme, un gros mot. Et c'est talon nous mène nous dans piège nous. Qui ça me dit là? Talon nous. Témoin si nous songe ça. Et qui ça nous dit talon te signifie dans la Bible encore? Oui, c'est vrai. Nous te dit que talon c'est point de contact ou avec la terre. Talon représente corps physique. Mais il n'y a pas corps physique là seulement. Il y a le corps de la chair dans le corps physique. Les affections de la chair dans le corps physique. Et dit tout ça, on a parlé sur ça tout à l'heure comme ça, mais nous t'as aimé ou prend conscience de ça bon Dieu a fait. Et certaines fois le Seigneur prend nous plus au sérieux que nous comprendre. Il relè nous, il ba nous la sainte parole. Ensuite il ba le Saint-Esprit. C'est pour changer vie ou pour sauver ou. Mais ça nous ouais nous comprendre c'est que moun ki bay importance à la vérité et à l'esprit de Dieu c'est yo qui va sauver. C'est yo qui va sauver. Donc que le Seigneur aide nous matin. Hein? Le Seigneur touche nous. On va lever mon lait dit bon Dieu merci. Dis le Seigneur merci. On a étudié tes classes. Tu vas ça là. Vendredi soir, nous t'a parlé de réalité fort vrai. Évidemment, grand pile monde qui pas là, mais nous te prend temps dans ça. Mais si vous voulez apprendre, on nous dit quelque bagaille. Nous te dit le cœur pas vrai. Le cœur pas réel ou pas ka adapté avec Dieu. Le bagage assez sincérité dans vie ou pas ka adapté à Dieu. Pour qui raison? C'est parce que Dieu est un Dieu vrai. La Bible dit n'est pas un homme pour mentir. Pas une fausseté dans Dieu. Dieu n'a parlé de lui, il a parlé de Jéhovah Dieu. Il n'y a pas une fausseté dans lui. Pas rien dans Dieu qui n'est pas droite. Tout ça dans Dieu, c'est réalité. Ça fait. L'on approche de Dieu sans cœur pas réel. Au lieu béni, c'est maudit ou maudit. Qui te maudit ça encore? L'on approche de Dieu sans cœur pas réel. Au lieu béni, qui sont faits? Maudit ou maudit. C'est Esaïe qui dit ça, il dit nettoyez vos mains pécheurs. Jacques répétait le tout. Jacques dit, homme irrésolu. L'on approche de Dieu ou pas nettoyer vie. L'on connaît que le Seigneur pas accepté. Jacques fait, l'on vient dans la maison, bon Dieu, faut prendre temps pour faire toilette vie spirituelle. Jacques fait gagner zone, faut aller bien. Ça c'est on langage, mais il y a une signification spirituelle. Il faut laver dans le sang de l'agneau, il faut laver, qui est le terme biblique, et dans le lot de la parole, dans le lavage de l'eau de la parole, excusez. Faut nettoyer dans la rivière de la vie, faut vivre purifié. Premièrement, faut que
sanctifier, ensuite purifier. Là, c'est pas ça, ou approche de Dieu comme ça, et il pas fait le plaisir du tout. Non, qu'a prend type ça dans l'Ancien Testament. L'on sacrificateur gagne pour aller dans la présence de Dieu. Évidemment, il te gagne une zone qui te représentée et un point de contact avec Dieu. Il te construit un tabernacle. Te gagne un parvis extérieur, n'a pas besoin d'écrire trop, nous compte ça lié, ça pas qu'on est au cas apprendre. Il te gagne un lieu saint qui te un parvis intérieur, mais dans le premier compartiment. Et là, Dani, tu as gagné tout ça que tu as préparé avant ou entrer dans le lieu très saint. Maintenant, tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans la zone ça. C'était le souverain sacrificateur. C'était un type que ça était. Seulement, une fois l'an, il est vrai que tu as gagné. Et les Gershonites qui te gagnent des responsabilités, mais les Kehatites aussi qui te gagnent certaines responsabilités, les Mérarites pour te plier ou bien déplier les choses du tabernacle, les compartiments et les ustensiles du tabernacle. Et là, yo pat ka wè zone côté que et la gloire de Dieu te résidé. Il n'est pas capable de garder lui-même. C'est ça qui fait que tu as gagné des voiles, tu as gagné des draps, si je dis comme ça, des rideaux, tu as couvert les choses, puis même pour le barouel. Il y a un seul personnage qui t'est qualifié, qui t'est pour entrer dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Maintenant, avant d'entrer, dans la place qui est la résidence du Dieu saint, il y a un bon préparatif pour le faire. Il ne va pas arrêter là, aller comme ça, non? Il faut le préparer, il faut l'habiller le droit. Et même sous-vêtements, il faut le droit. Et ensuite, il faut gagner la robe, les fod, il faut gagner les 12 pierres représentatives. Il faut gagner les 2 pierres d'onyx, il faut gagner yon tia, il faut gagner toute une série de bagages. Ensuite, il y a l'autre bagage qu'il a besoin de gagner. Et il faut gagner tout loyau. Et il y a le phylactère, il faut le gagner phylactère sous lui. Il faut le soit dans le front ou bien sous bras, bien marié dans le bras. Pour l'entrer dans le lieu très saint. L'entrée là, personne ne va entrer d'elle. Les seuls qui peuvent entrer, ils négocient avec et le sang du bouc. Pendant le jour ça, il y a le jour de l'expiation. De l'entrée là, tout le monde est dehors à attendre. Nous répétons pas ça, yo, c'est la Bible. L'or était dehors à attendre, c'est gros prière. Parce que si l'entrée mal, le Seigneur pas accepté requête là. Si l'entrée avec une négligence dans la présence de Dieu. Bon, raison fait m'a dire ça. Dans la présence de Dieu, et le Seigneur pas accepté, lui qui a mouru devant propitiatoire, là, il est propitiatoire, devant l'arche du témoignage. Et, il était dans pan robli, les cloches, ça va ça yo a sonné pendant la fait mouvement dedans faut y a sonné pendant y a sonné ça veut dire que li
gagne la vie, l'a négocié. Et si il fait trop longtemps, il n'a pas attendu lui, inquiétude commence à prendre dehors parce qu'il n'a pas rentré. Il n'a pas rentré à regarder ça. Et il n'y a pas tant de bruit. Nous pas lu ça comme un verset biblique, mais nous lisons dans l'histoire. Il y a marron code dans pied. C'est l'histoire qui raconte ça. Nous ne pas lire un verset biblique. L'histoire explique que y a marron code dans pied sacrificateur parce que qu'on ne pas entrer en dedans s'il y a un problème. L'histoire explique que le sacrificateur a mouru devant l'arche. Du témoignage, c'est râler pour râler le sauti. Pour qui ça n'a pas dit ça? Dieu est un Dieu saint. Donc, son Dieu puissant, l'a présenté en face avec perversion, iniquité, transgression, corruption, ou qu'a mouru. Ou qu'a mouru. Pas négliger ça. Et, ou ne doit pas présenter avec l'autre bagaille, non, on doit présenter avec ti orgueil ou seulement, tellement orgueilleux, ou mourir devant l'arche là. La Bible dit que l'orgueil est dans la ruine. Il n'y a pas qu'on pas jouer avec elle, dans la présence de bon Dieu. Et si vous voulez prendre au sérieux ça qu'a fait, faut très sérieux tout. Avec Jean Bon Dieu, il est dans la nature. Maintenant, Salomon dit un bagaille. C'est ça qui fait que nous lisons déjà, mais plus ça me balise encore. Non. Bien, il vous. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, là, ni verset 12, tout. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Donc, ça c'est patience, bon Dieu, qui fait ça. Et là, le Seigneur a une sentence contre les mauvaises actions, il n'est pas exécuté le trop vite. Contre les mauvaises actions, ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Alors, parce que beaucoup fait là, parce que beaucoup jugé là, il pensait c'est jugé ou pas jugé, il continue à faire. Mais je vais montrer l'autre verset biblique et que vous besoin comprendre. Où est le verset 11 là encore? Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Non, mais c'est pas juger ou pas juger, c'est tant pour tant. Mais qui j'en le Seigneur y est? Mon autre verset qui explique que Jean-Bon Dieu fait les choses. Mon verset dans le psaume qui explique ça. Dans Psaume 75, verset 3, attendez ça, verset à dire. Il y a un verset qui est fort dans la Bible. Comment on dit ça? Autant que j'aurai fixé. Où est-il encore? Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Dieu, c'est amour lié. Bon principe qui existait dans l'histoire, pas prendre ça. Dieu nous a pas jugé que si ce n'est sous la déclaration de deux ou bien de trois témoins. Si c'est pas moun, son action. Et une fois en action, il ne doit pas qu'un témoin. Mais ils sont signes qui prouvent que ou paraît pour juger. Et
Le Seigneur toujours prend patience avec n'importe qui est. Il a fait le plus souvent avant lui juger, lui faut joindre avec message lui. En quelque part, quand même, moi je veux un monde qui dit une parole. Même si c'est en passant, je veux un monde qui attire l'attention. On ne doit pas occuper, ça ne doit pas dire rien, mais la voie est sous. Ça est justice. Justice avec amour, bon Dieu, attient à ce que ça fait. C'est parce que autant que j'aurai fixé, c'est la parole de Dieu, je jugerai avec droiture. Ça, c'est une grosse déclaration biblique liée. Et mon attitude dit nous pour nous pas gagner. Verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ça, c'est long, moun pas droite. Et puis, il y a besoin tout moun well droite. Non, on n'est pas fort, mais besoin tout le monde est fort. Et puis, il commence à faire extravagance. Et non, le Seigneur a jugé. Ce n'est pas attitude ça, Bougain. Verset 7. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Non, qui critère qui fait que le Seigneur abaisse un monde, il élève l'autre? Youn, c'est l'orgueil, l'autre là, c'est l'humilité. Nous avons toute la Bible pour nous expliquer ça. Le Seigneur, il abaisse les arrogants. Il élève les humbles. C'est la parole. Nous n'avons pas besoin de converser, nous n'avons pas de temps pour ça. Mais, yon là. Mais en façon que lui comparer la colère de l'Éternel. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Glory. Mais raison que ferme l'hiver, c'est ça. Yon leur fort coupe ou plein. Dans le texte, je vais expliquer comment le dit. Mais qui nous explique ça à tout. Ils ont leur fort coup pour plein. Leur fait. Ils ont leur coup là débordé avec action. Maintenant, mais ça le Seigneur attend. Est-ce que au moins leur coup là dans un quart, leur dans un tiers, leur dans moitié, attention pas attirer. Parce que si vous voulez une explication en dans l'autre, nous avons mais ça lié. L'autre fait bagaille qui n'est pas correct ou pas senti témoignage de l'Esprit de Dieu. L'autre n'a pas une approbation de Dieu dans ce qu'il a fait. Ou senti ou vide. Ou senti ou tourmenté. Ou senti bon Dieu par avant. Il y a un mot, la Bible employé, ça fait pas l'employé. Il y a l'audace. Et, ou un traducteur, c'est mot ça a été utilisé. Et d'un côté, il dit audacieux. Le ou a fait les choses qui mal, et ensuite, ou utiliser de l'impudence. Impudence, là, ça veut dire, c'est un monde qui fait mal là, et puis, il vient défendre avec arrogance, il vient faire tout le monde quoi, il te fait le bien, et puis, il paraît, et solide. Non. Il n'est pas Dieu pour le consacre. L'orgueilleux, le Seigneur, a baissé, l'or humble, élevé. Glory. Maintenant, gon coupe, folle plein. Pour le Seigneur, versel. Il dit, il en verse. Mais, gon l'autre déclaration qu'il fait là, très important. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie.
Ou quand là ça arrive, c'est le ou absorber le jugement de Dieu. Ou vin créer ça ou un trésor de colère. Ou boire jusqu'à ce que pas gagne crête dans couple encore. Ou absorber toute condition pour jugement. Glory. Le Seigneur attend au fin boel. Parce qu'il t'est plein ou absorbé. Dans Romains 9, il dit ou réuni ou bien ou absorbé ou bien ou ramassé un trésor de colère. Le Seigneur prend temps pour le juger, mais c'est naturel. Est-ce que dans mi-temps, pas gagnon le, ou attend là, on voit qui doit arrêter? Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, même pas dans l'église. Il y a un bagaille dans la nature, nous dit, mais côté Dieu, pourquoi ça fait pas juger bagaille ça? Et naturally, son nature qu'on s'allie, l'étant nous, au fin ramasser trésor là avant l'y exécuter. Mais lis verset 3 encore. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Donc le Seigneur, il va juger avec droiture. Il n'est pas un Dieu pour exercer l'injustice ou l'iniquité, il est un juste juste, c'est ça la Bible dit. Ça fait nous-mêmes, je dis, il faut qu'on ne pas approcher. Il faut approcher avec réalité de cœur. Et lors, on perd du conscience, on ne vient pas gagner. Et jugeant encore, on pas qu'à juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ou bien si vous jugez, vous acceptez ce qui est intérieur là. Hier soir, nous avons cité Mosa. En fait, Mosa, oui, les altérations. Et nous aimons quitter les bagailles, détériorer jusqu'à ce que vous tombez dans le fond des choses, le fond de la boue. Et qui t'est obéissé. Depuis bas là, bon pour nous, nous tolérer. Qui t'est glissé et descendre. C'est ça qui fait le monde aujourd'hui. Il y a baissé, il y a descendre. Il y a à l'aise. Il y a pas besoin qu'on côté à descendre, mais il y a descendre. Je dis à bagaille dans le monde que la loi défend son bagaille extraordinaire. Bagaille qui est totalement corrompu, l'aide, nous-mêmes nous relè l'aide pas bon. Et puis, yo prend avocat et yo vin défendre ni. Parce que la loi ba yo droit. Gen, bon, quand on arrive, yo fait citation ça, yo dit yo, la justice est injuste. Quand on arrive, yo dit la loi est injuste. En grande partie, c'est vrai. Parce que loi naturelle pas qu'à justifier la loi de Dieu. Les hommes descendent très bas et le Seigneur a jugé. Maintenant, pour quelle raison fait le Seigneur pour qu'on juge le monde? À cause des élus. C'est ça la Bible dit. Les jours seront abrégés à cause des élus. Le Seigneur n'a pas jugé le monde, il n'a pas détruit le monde. Avec justio la donne. Il est avec juste pour Dieu faire ça. Et, on va dire, nous, qu'on dit, qu'il ne doit pas attirer attention, ou bien qui pas jamais attirer attention, monde qui ignorant, yo. Ouais, yon juste dans la nation. Yon juste dans la nation, au minimum, c'est 1/10 de la protection de cette nation.
biblique. On juste seulement, on vrai juste dans une nation, c'est un dixième de la protection de toute cette nation. Le Seigneur dit sous joindre 10 justes, je vais détruire le pays. 10 justes seulement. Si je joins 10 justes, je vais séparer la justice en 10. Si je joins un dixième de justice dans chaque juste, je vais détruire toute nation. Abraham va joindre 10 justes dans la nation. Et ils vont regarder, il dit 5. Il dit souvent 5. Il va te gagner la foi pour descendre dans 2, 3, dans 2. Même quand plus loin avant. L'organion juste dans l'environnement. Juste ça suffit pour qu'un bel jugement bon Dieu poco exécuté. Par contre, si nous songez l'histoire ça dans l'acte des apôtres, le vous voyez Paul et aller à Rome parce que les livres leur dit j'en appelle à César. Vous voyez la Rome là dans le jugement devant César. Vous comptez ça en César. Le l'aller, c'est bâtiment au prend avec, pas de avion. Et route et par terre là t'as trop long. Lors quitter Césarée, sous monter jusqu'en Cilicie pour aller à Rome, pour aller faire toute l'Asie mineure, t'as trop long. Donc il prend bâtiment. Nous te connais que bâtiment est en péril. Nous lis l'histoire ça déjà. Mais dans mi-temps nuit là, quand nuit bâtiment la pluie a tombé tellement qu'un problème, nous n'avons pas mangé.